Il me reste Skeleton Key, Transcendance. Guardian Angel. Ah, t'as jamais eu Guardian Angel? Celtic Cross non plus? Putain, c'est fou quand même. Black Lotus, Fate. Fate, tu l'as pas eu? Putain, mais je l'ai tellement eu des milliards de fois, Fate. La Stopwatch, ouais, ouais, parce qu'il faut la débloquer, donc c'est un peu chiant. Le Starter Deck, mais mec, le Décap, mais mec, il y a tellement d'items. Kane's Other Eye, mais bordel, mais le Boomerang. Mais il y a tellement d'objets tellement communs pour moi. Ah, mais évidemment, c'est déjà ça, hein. Ça se prend, hein. Oui! Carvana Shiny! 339 pêches! Et il tombe enfin, ce petit salaud! Le Carvana Shiny, yes! Ah là là, sur un live full discussion, full question. Le Carvana qui tombe. Incroyable! Carvana Shiny, 339 pêches. Jamais été aussi content de voir un poisson Shiny, bordel. D'ailleurs, je vais brancher ma console vite fait. Parce que j'ai pas envie de perdre le Shiny. Hop! Incroyable! Incroyable! Comment ça va YouTube? On se retrouve pour ce Carvana qui va évoluer en Sharpedo puisqu'on essaie de compléter la famille, c'est pour ça qu'on était là. 100% de chance de tomber, enfin sur un Pokémon que je cherchais, 95% Carvana, 5% Sharpedo. On est tombé sur Carvana, donc moi tout va bien, 339 pêches quand même, j'ai cassé je crois 3 ou 4 fois ma chaîne entre les deux, donc voilà. Mais Carvana! Carvana Shiny! Et il est beau en Shiny, mais Sharpedo va être très beau aussi en tout rose comme ça, ça va être magnifique. Incroyable. J'espère que tu vas bien YouTube, que tu as passé une excellente journée. Encore une fois, merci de nous rejoindre sur cette vidéo. Et merci de soutenir le contenu. On parlait de toi justement, on parlait de YouTube, on parlait des vues que je faisais là-bas et du peu d'argent que ça pouvait me rapporter par rapport à YouTube. Mais voilà, merci à vous. N'hésitez pas à partager le contenu, c'est hyper important pour l'avenir de ma chaîne. Hyper important, on le dit à chaque fois à la fin de la vidéo. Mais vraiment, ça pèse sur l'avenir des choses pour moi sur YouTube et Twitch. Donc on compte sur toi, toi petit viewer qui nous regarde depuis chez toi là, devant ton PC. Donc c'est parti pour la capture, on va faire sport sur le Carvana. Ça devrait être assez facile. Et on va partir sur... Ça devrait vraiment être très simple. En vrai, là, la Master Ball, elle collerait de ouf. Mais je ne capture pas la Master Ball. On est d'accord. Donc là, faut partir sur une Swamp Ball, en fait. Allez, la Swamp Ball. On y va. Paf. Capture critique. Et... Bah voilà. Cette capture était d'une simplicité déconcertante. Incroyable, YouTube Turbo Squall évolue. Il va être magnifique. On le sait déjà. On le sait déjà qu'il va être magnifique. Regardez. En quelques instants. Wow. Ah non, mais ouais, non, il est beau. Je pensais qu'il était vraiment blanc en dessous, mais un petit peu rosé. C'est mignon. Il est magnifique. Koi. Ouais, YouTube, incroyable. Turbo Squall, le Sharpedo femelle Shiny Hardy de nature. Hardy qui est une nature neutre, qui n'augmente pas, ne diminue pas de statistiques. Il a peau dure en talent. Peau dure, c'est plutôt cool, hein, parce que ça lui permet de faire des dégâts quand l'adversaire attaque sur le physique. Mais on aurait préféré, évidemment, Turbo, qui lui permet de gagner un plus 1 en vitesse à chaque fin de tour. Et c'est le talent qui est joué en stratégie, de toute façon. Donc voilà, on aurait préféré ça. Mais bon, ah, c'est de la pêche. Donc voilà, on fait ce qu'on peut. Pas d'IV à 31 pour ce Pokémon, pas d'attaque particulière du coup, parce qu'encore une fois, on l'a eu en pêche, donc rien de plus à dire sur ce Pokémon, à part qu'il est très beau, en tout cas je le trouve très beau. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses YouTube, hein. C'est pas pour le référencement, pas du tout, hein. C'est plus pour savoir, parce que ça m'intéresse énormément, énormément, sinon je dors pas le soir, hein. C'est terrible. Je commence à avoir les poils qui s'érissent comme ça, je suis pas bien je pense. Mais est-ce que les gens trouvent Sharpedo beau ou pas, voilà, enfin bref. Le chat t'a dit au revoir, t'as dit un petit peu quoi faire, n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche si ça n'est pas déjà fait. On se retrouve en tout cas dans une prochaine vidéo. Mais d'ici là, YouTube, prends soin de toi, évidemment. Des bisous. Au revoir.